Et coucou la team, j'avais pas vu que ça avait commencé. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'étais en train de m'étouffer avec ma salive. Tout va bien se passer. Bon, tant que je ne m'étouffe pas en direct, ça ira. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 5 octobre. Je crois que j'ai fait une vidéo juste avant. Je ne vous ai pas dit la date. Bon, en même temps, c'est pas grave, on s'en fiche. Et je m'étouffe. Alors, vous connaissez ce courrier? Est-ce que vous connaissez ce courrier? Alors, je ne savais pas qu'elle allait m'envoyer ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, comme d'habitude, ça va être la surprise avec vous. Donc, bien sûr, c'est un courrier de Steph, Stephen Scrap. Vous savez que je suis en collaboration avec elle depuis un moment et elle m'envoie des pépites, des pépites, des pépites. Et même vous, d'ailleurs, vous commencez à connaître sa boutique et je vous remercie énormément pour vos commandes pour elle. Voilà, c'est une petite boutique. Donc, voilà, ça la fait travailler un petit peu et tout. Et c'est vraiment super sympa. C'est sympa de votre part en fait d'aller voir sa boutique et de commander aussi, mais bon, en même temps elle a des super beaux papiers. Au niveau des tarifs, c'est pas plus cher qu'ailleurs, c'est ce que je vous ai déjà dit une fois ou deux ou à chaque fois. Et vous avez un code promo qui est valable tout le temps. Voilà, si aujourd'hui vous voulez commander, j'en sais rien, le mois prochain, mon code promo sera tout le temps valable. Alors je vous le remarque ici, moins 10% sur tout, hein, d'accord, c'est vraiment sur toute sa boutique, il n'y a pas un truc ou pas, avec le code Betty10, alors Betty en majuscule et le 10 à coller, il n'y a pas d'espace ou quoi que ce soit entre le Betty et le 10, d'accord. Voilà, Betty, B-E-T-Y en majuscule et 10 à côté. Pas collé. Alors, depuis tout à l'heure, je fais des vidéos et il y en a un qui me défonce. Tu arrêtes de tout manger? Il y en a marre. Oui? Il me défonce tout depuis tout à l'heure. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Oh, j'arrive pas à faire une vidéo tranquille. C'est phénoménal. Allez, on va ouvrir, on va découvrir ça ensemble. Il me tarde de voir ce qu'il y a dedans. Alors, je suis allée chercher hier, je l'ai reçu il y a deux jours, je crois, mais j'ai pas eu le temps. Donc, on est allé le chercher hier et depuis hier, c'est là et j'ai envie d'ouvrir. Voilà. Il me tarde de savoir ce qu'elle m'a mis dedans. Mais je crois que c'est des pépites, c'est des nouveautés en fait qui sont rentrées. Je sais qu'elle m'avait parlé qu'il allait avoir des nouveautés. Mais elle m'avait pas montré les photos. Donc du coup, vraiment là, c'est surprise, surprise. Hop là. Ouh là là. Ah ouais, ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais alors Lemoncraft, comment vous dire que... cette marque là, c'est elle qui me l'a fait découvrir, je ne connaissais pas et j'adore cette marque, je trouve qu'ils font des trucs super jolis. Voilà, la marque Lemoncraft, elle me l'avait envoyé je sais plus avec quoi, et vous voyez donc Lemoncraft comme ceci, et là elle m'a envoyé la collection Wonderful Christmas. Alors là on a les éléments. Donc là, vous avez un carnet d'éléments. Donc, c'est des blocs 20-20. Et là, on a un carnet avec les papiers comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est une nouvelle collection qu'elle m'a envoyée. Me tarde de faire Noël. Steph ah, il me tarde. Mais vraiment, il me tarde. Hein. Là, je pourrais pas vous dire... J'ai pas d'excuses, j'ai pas de papier ou quoi que ce soit quoi. Allez, alors en fait on a deux collections différentes, donc on a Lemoncraft et l'autre c'est, je crois que c'est Alchemy of Art. Alors pareil, je ne connais pas du tout la collection d'après. Alors on va déjà se concentrer sur celle-ci et après on regardera l'autre, on va faire un petit à petit parce que sinon on va pas s'y retrouver. Et donc là, donc c'est du papier 20-20, vous avez 18 double feuilles à l'intérieur. Le papier fait 250 grammes, vous avez 12 designs différents et 3 papiers, je sais pas, sans acide bien sûr et tout. Alors attendez, je sais pas, alors c'est polonais. Mais alors là, après, je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Alors, trois sheets, trois feuilles, je ne sais pas. Allez, on regarde ça ensemble. Déjà, rien que là, le visu, ça a l'air d'être trop chouette. Ah, ben voilà.
Donc là, déjà, on a une page où on peut découper des genres de petites fenêtres comme ça. Oh, c'est trop beau, moi j'adore. Oh, avec de la pâtisserie, des bonbons, tout ça là. Alors, regardez comment c'est trop, trop chouette. Ouais, c'est ça, c'est un Noël un petit peu vintage de l'époque. Ah, mais ils sont trop beaux les papiers. Bon, je vous montre quand même. Alors là, première feuille. Je me vois déjà en train de scraper le truc là. Ça y est, je suis dedans. Franchement, une super belle feuille, une super belle décoration avec un sapin. On a les deux enfants là qui ouvrent leurs cadeaux. La cheminée à l'arrière avec la couronne, les petits cadeaux, tout ça. Franchement, elle est trop belle cette page. Mais là, j'étais en train de me dire, on la scrape comment quoi? Là, par faire un album, magnifique. Derrière, oh là, ça j'adore aussi. Toute simple, basique avec du hou. Voilà, comme ceci. Ça, c'est juste magnifique aussi. Celle-là, pareil. Des petits carreaux comme ça, vert. Là, on a un genre de petite dentelle qui vient au milieu. Et là, on a des poinsettias avec des petites boules là de je sais pas. À chaque fois, vous me le dites, mais je sais plus ce que c'est. Là, derrière, on a comme de la laine, comme un pull. Là, à carreaux, moi, ça, j'adore. Des petites partitions de musique avec pareil, poinsettias, etc. Trop joli. Là, on a une feuille comme ceci avec des petites poinsettias, des petites baies rouges, c'est trop sympa avec des petits décors comme ça sur les côtés. Là, on a des petites cartes à découper. Vous voyez, on est vraiment dans le thème un petit peu vintage au niveau des petites photos à découper comme ça. Trop chouette. Ah ouais, mais carrément, c'est trop joli. C'est clair et net, quoi. Là, on a encore les deux enfants avec leurs cadeaux. Là, on a une petite guirlande ici. Et là, on a comme un petit mur sur le côté. Il n'y a rien, Titi. Il n'y a rien. Là, on a une page avec comme du bois, là. Là, on a le Père Noël avec une petite fille qui sont en train de lire un livre avec franchement le décor et tout. Mais le papier il est juste magnifique quoi. Là, on a une feuille verte avec des petits points ronds. Et là, on a les mêmes feuilles. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien avoir en double parce qu'au moins comme ça, comme là, vous voyez, si on veut cette feuille-là, mais qu'on veut découper ça. Mais au moins on sait que si on découpe sur une autre feuille, on a quand même cette feuille-là. Vous voyez, donc moi j'aime bien avoir en double. Donc et après on retourne avec les papiers en double. Voilà. Trop bien. Franchement, il est juste magnifique. Alors celui-ci, c'est Wonderful Christmas de chez Lemoncraft. Voilà, je vous le remets bien. Et alors celui-ci, c'est les papiers. Et elle m'a mis après les éléments. Donc ça, c'est les éléments à découper. Donc pareil, il y a 18 pages dedans et toujours du 250 grammes. Par contre, c'est un papier très très épais. Et dedans, on va avoir voilà, tout ce que je kiffe. Alors, il y a des jolis trucs, hein. Alors, faut arriver à découper, quoi. Alors, pour celles, alors je sais qu'il y en a. Alors, je passe du coq à l'âne. Il y en a qui ont la caméo. Et qui m'ont dit qu'on pouvait découper directement avec la caméo. Vous voyez, genre ça, on peut venir les découper, vous voyez, à la caméo. Mais moi, j'ai la Cricut. Alors, celles qui ont la Cricut, est-ce que vous savez si on peut prendre les feuilles comme ça et venir les découper directement avec la Cricut? Voilà, c'est ma question du jour. Si celles qui ont la Cricut, est-ce qu'on peut? Et si on peut, est-ce que vous pouvez m'envoyer un mail ou quelque chose comme ça ou me bipper sur Facebook ou Insta ou qu'on puisse interagir quoi pour m'expliquer comment on peut faire? Parce que je sais qu'avec la Cameo, on peut le faire, mais avec la Cricut, j'ai cherché. J'ai recherché, recherché, je n'ai pas trouvé de vidéo en fait là-dessus. Et je sais qu'avec la Cameo, vous pouvez découper directement vous le mettez dans votre truc de machine, vous prenez en photo et elle va venir découper la machine autour des éléments. Mais voilà, pour celles qui ont la Cricut, est-ce que ça peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Si vous savez comment on fait, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Merci. Petite.
Petite annonce au passage. Alors là, on a quatre belles photos comme ceci à découper avec Père Noël et deux petits chalets comme ceci. Et là, comment vous dire, les houx, ils sont juste trop bien faits, ils sont super beaux. On a des candy canes, on a des poinsettias, des petites boules là de baies. Trop chouette. Et normalement, ah non, pas recto verso. Donc là, vous voyez, vous avez des découpes, mais vous avez encore du papier. Si vraiment vous voulez d'autres papiers, voilà, il y a d'autres papiers. Donc là, c'est un genre ben, pareil, de laine, comme tout à l'heure. Là, on a encore plein de feuilles de houx, parce que alors ça, vous voyez, moi, pour découper, c'est mort, quoi. Je vais essayer, mais je vais galérer, quoi. Là, les candy canes avec le houx, ils sont juste trop, trop beaux. La cheminée, elle est juste magnifique. Il faudrait qu'il nous fasse ça, mais en pré-découpe. Là, on a un genre de petit pull pareil, mais en vert. Il est sympa comme ça aussi, cette couleur. C'est rare. Autant on les a beaucoup dans les tons beige et blanc. Mais en vert comme ça, j'avais jamais vu. Là, on a des petits enfants, des petits cadeaux, tout ça à découper. Thème un peu vintage aussi. Là, on a un papier à carreaux rouge et un petit peu beige. Super sympa. Là, on a des super belles portes de Noël, bien décorées, comme ça, à l'américaine. Moi, j'adore. Les Américains, ils sont forts pour les décos. Et on a aussi des boules de Noël, ça, c'est rare. Trop chouette. Là, on a juste un tout petit papier, vous voyez, il est vraiment... C'est très fin, des lignes très fines en rouge et vert, comme ça. C'est cool aussi. C'est super sympa. Là, on a le pull moche, des petits oiseaux, des petits gâteaux. Bah, le chocolat chaud, le petit bonnet, j'arrête de dire petit, une super belle couronne et un casse-noisette juste là. Franchement, il y a des super découpes. Hein. Là, on a que des pulls en fait. Et là, on a du rouge. Cool, ça c'est top. Rouge, vert. Ah, c'est cool. J'aime bien le rouge aussi, vous voyez. Il est top. Là, on a des petits mots à découper. Magic Christmas, Merry Christmas, Best Wishes. Time together, tout ça, tout ça. On a des fenêtres à découper. Et là, on a recto verso par contre. Tac. Et après, on retourne. Voilà, dans les pages, on a les mêmes pages à découper. Donc là, vous avez plusieurs pages à découper et plusieurs fonds aussi. Donc ça, c'est juste top. Voilà, franchement, trop joli. Moi, j'aime beaucoup Wonderful Christmas de Lemoncraft. Franchement, j'aime beaucoup ces blocs. Je te remercie beaucoup. De toute façon, tu connais mes goûts aussi maintenant. Je te remercie beaucoup, Steph, pour ces jolis blocs de papier. Maintenant, je sais pas, plus en album celui-là. Vous voyez? Parce que les images, elles sont tellement belles. Que là, vous, quoi qu'on peut découper là, vous voyez, tac, tac. Mais je verrai plus ça en album quand même. Ouais, plus en album. Donc voilà pour la collection Lemoncraft, qui est juste magnifique, mais vraiment canon, canon, canon. Et ensuite, donc, je vous ai dit, c'est Alchemy of Art. Merry Christmas, Wesolish Sweet. Je suis nulle. Bon, je vous laisse lire. Parce que je suis nulle, nulle, nulle. Voilà, mais je vais vous enlever le plastique parce que vous n'allez pas bien voir. Alors, ici, on a 12 pages. 12 doubles pages. Le papier fait 190 grammes. Sans acide, bien sûr. Et voilà. Donc là, vous verrez mieux sans plastique. Donc, c'est ça. Vous y voyez que dalle. Allez, zoom-moi, s'il te plaît. Voilà. Alchimie of Art, Merry Christmas, et je pense qu'après, je ne sais pas c'est quoi comme langue. Voilà, comme ceci. Et derrière, oh, ça j'adore les maisons comme ça. On a des petites maisons, on a un manège. Cool, un manège avec des chevaux en bois, et on a le Père Noël pour découper. Regardez, donc là on a plein de petites maisons comme une ville en fait. Là on a un manège avec des chevaux de bois et là on a un beau Père Noël. Voilà, le vrai Père Noël. Je dis pas que les autres c'est défaut, mais il y en a des fois ils ont des têtes bizarres. Lui il a une bonne tête lui. Comme lui, hein, dedans là, les Minecraft, il a une bonne tête aussi de Père Noël.
Ah bah ouais, oh là, moi je connais pas du tout. Alors là, je découvre avec vous la marque de papier là. Pouah. Ok, d'accord. Ok. Bien vu. Très joli. Magnifique. Voilà, c'est... Bon, alors après la découper, encore une fois, c'est compliqué. Mais là, vous faites un album, vous mettez ça juste à la page de couverture déjà. Après, vous décorez un petit peu avec. Juste magnifique. Donc, on en a deux pareils. Oh. Oh, oh, oh. Et celle-là, elle n'est pas belle. Franchement, elle est canon. J'adore. Trop belle. Trop belle. Donc là, on a ça. Là, on a... Vous voyez ça, on peut le découper large. Donc là, on a un pull, des pulls moches. Alors, je regarde à l'endroit aussi. Hein. Je découvre en même temps que vous. Des petits pulls moches avec un petit bonhomme de neige. Franchement, les couleurs, elles sont super cool. Et là, on a un petit salon avec, pareil, les petits enfants ici. Donc déjà, la page au niveau du vert, j'aime bien. Et des petites étoiles de neige. Donc là, regardez, les couleurs, elles tuent. Et là, on a les petits enfants avec le sapin et dans un petit salon comme ça. Trop joli. Et là, on a encore du pull. Voilà. Ça, cette année, on a beaucoup, hein, de pulls. Ça revient. Il y a une année, on en avait pas mal aussi. Donc là, on a le petit pull. Là, on a le beau Père Noël. Trop michetot. Ah ouais, il est beau. Avec des petites écritures à l'arrière et tout. Franchement, le papier, il est super beau. Ah, là, on a une petite porte. Alors, pareil, là, on peut découper sans aucun problème pour faire des cartes ou autre. Vous voyez? Donc là, on a le Père Noël, des petites écritures derrière. Et là, on a une porte avec... pareil, on a des petits poinsettias. Et là, on a une couronne sur la porte. Franchement, canon, canon, canon. Derrière, ça va être... Waouh, j'aime bien. Ça fait tapisserie, ça. Par contre, ça me fait penser à de la tapisserie de château, vous savez. Trop beau. Franchement, je suis bleue. Enfin, je suis... ouais, c'est magnifique. Donc là, on a... plein de petits trucs ici, là, plein de choses qui se mélangent. Là, on a un petit chalet avec le petit bonhomme de neige, des enfants et tout ça. Et il y a marqué North Pole, donc genre pôle nord, tout ça avec la petite. Même là, il y a écrit. Et le fond, j'aime bien. Regardez. Bon, je vous montre aussi, hein, parce que mais je vous regarde. Voilà, comme ceci. Bon, regardez pas mes ongles, là, hein, ils sont vraiment tout péraves par contre. Et là, regardez. Je sais pas, ça y est, le plus. Comment? Tu reviens avec moi? Voilà. Et derrière, oh, j'aime bien celle-ci. Ça fait un peu comme les pulls moches là, mais. Et vous voyez le tour là, comme ça, avec. Je trouve ça trop chouette. Avec les petits flocons de neige, comme ça. Franchement, je trouve ça trop, trop joli. Ouh. Donc là, on a une ville. On a la ville, en fait, au fond. Là, on a des petites écritures en bas. Là, on a le Père Noël avec son traîneau. Là, un petit bonhomme de neige. Franchement, il y a plein. En fait, il y a plein de détails. Alors, je vais essayer qu'elle me zoome bien. Voilà. Regardez tous les détails du papier, quoi. Hop là. Et là, regardez, on a le petit bonhomme de neige qui est là. Vous voyez, c'est vraiment. Et là, vous avez des petites écritures en bas. Oh, j'adore. Alors ça, à carreau, c'est mon dada, moi. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, wow, il est canon, quoi. Ouh. Alors là, on a une couronne avec plein de petits trucs. On a des petites maisons, pull moche, Lorraine. Alors là, pareil, encore une fois. En fait, dans ce papier, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Il faut vraiment regarder. Vous avez vraiment plein, plein de choses, plein de petits détails, en fait. Vous voyez, un peu cachés à droite, à gauche. Et c'est ça que je trouve vraiment super top. Alors ça, voilà, pareil, ça serait plus pour un album ou quoi, parce que là, découper, on peut, mais c'est un peu plus compliqué. Et là, il y a marqué Merry Christmas. Et derrière, on a un peu comme le papier rouge de tout à l'heure, mais dans les tons de vert. Et ça fait des dégradés, vous voyez, plus foncé, plus clair. Voilà, et toujours avec les petites étoiles de neige autour, franchement, ça cartonne. Très beau papier. Vraiment magnifique. Alors là,
Ouais, alors là, moi, je kiffe de fou. Alors ça, par contre, c'est un papier. Oui, c'est du 20-20 aussi. J'ai même pas dit. Ouais, c'est du 20-20 aussi. Hein. Donc ça, c'est Merry Christmas et c'est de chez Alchemy of Art. Hein. Voilà, je vous remonte parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, tu ne montes pas. Mais si, si, je vous les montre à chaque fois. Mais c'est que soit vous avancez vite la vidéo, soit je sais pas. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir sur sa boutique et utiliser, comme je vous dis, mais les 10% de code promo, quoi. Voilà. Mais franchement, là, j'ai envie de faire du Noël. Bon, dans le mois d'octobre, j'attends un peu. Déjà, surtout que la dernière fois, elle m'en avait envoyé déjà du beau papier de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais elle m'avait envoyé du beau papier, quoi. Et là, on a des découpes qui vont avec le papier. Alors, comment vous dire que les découpes. Même dans le petit truc comme ça. Donc pareil, hein, c'est Alchimie, mais là c'est au niveau des découpes. Il y a même des petits trucs à découper. Là-dessus. Il perd de rien. Hein. C'est vraiment trop bien. Alors est-ce que c'est recto verso? Ouais, recto verso. Elle m'avait envoyé un truc comme ça. Déjà. C'était recto verso. Donc ça se trouve, c'était la même marque. Je vous dis que je connais pas, mais. Alors là, il y a des trucs de fou. J'adore. Les bouquins, ça, enfin, les patins. Donc, on a un côté comme ceci. Et un côté, si, si, ça, je sais, je me rappelle que, ou je sais plus, et qu'il y avait un côté vert, comme ça, je vous ai dit, même pour découper, on a le contour blanc d'un côté, et de l'autre côté, on n'a pas le contour blanc. Vous voyez? Regardez-moi ces découpes, comment elles sont canon. Le sucre de canne, là, franchement, il déboîte les livres. Enfin, franchement, tout, quoi. Là, on a plein de Père Noël. Oh, c'est trop bien. Oh, on a le chocolat chaud avec les petits chamallows, là. La boule de neige. Père Noël, Père Noël. Père Noël qui rigole. Casse-noisette. Le renne. On a deux petits chiens ici. On a le bonhomme de neige qui est super cool. J'adore la tronche qu'il a. Il est vraiment trop beau, quoi. Donc là, on a plein de petits Père Noël. On a plein de choses. Des petites boules. Et là, hop, pareil, vous avez le blanc. Pour découper derrière, voyez comme il faut. Là, on a les petites maisons de ville, les petits chalets en pain d'épices, sapin, chocolat chaud, les casse-noisettes. Pareil, ils sont super sympas. Donc après, l'avantage, c'est pareil, c'est que si vous prenez ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les papiers de fond. Vous pouvez faire vos cartes avec ces découpes-là qui sont vraiment supra belles. Là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir les papiers qui vont avec. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir aussi en prenant que les petites découpes comme ça et pour pouvoir faire plein de choses, quoi. Voilà. Là, on a un traîneau, des cadeaux, plein de petits cadeaux comme ça, des guirlandes, des petits cookies, cheminée, le bonnet du Père Noël. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Franchement, c'est la première fois que j'ai du aussi beau papier pour Noël. Cette année, c'est un truc de fou. Je vais m'éclater de fou. Et derrière, bien sûr, c'est vert et découpage comme ceci. Là, on a la crèche. On a les enfants qui chantent, les rennes. Le petit bonhomme en pain d'épices, les petits. Moi j'adore les trucs avec les chamallows comme ça. Alors j'aime pas le bois parce que j'aime pas les chamallows, mais j'adore les photos comme ça. Les enfants, le bonhomme de neige. Enfin voilà, ça me fait trop penser à l'hiver, tout ça, le chocolat chaud avec les petits chamallows dedans, c'est trop trop bien. Moi perso, j'aime pas ça, mais. Voilà, ça me fait trop penser à ça. Et là derrière, bim, on découpe. C'est plus simple, je trouve, quand il y a le petit contour, vous voyez que là. Vous me dites, oula, je pars comment? Et là, en fait, au final, ça vous aide, voyez, à venir vraiment sur les bords et tout. Et ça, c'est vraiment bien. Waouh, balèze la porte là. Waouh. Énorme. Et là, vous voyez, pour faire un album, même après, vous pouvez même découper le cendre, faire un truc qui s'ouvre et tout. Et voilà le derrière.
Franchement, trop chouette. Je vous parle pas parce que je suis en train d'admirer le truc en fait. Je sais pas comment vous... Je suis désolée, mais je suis en train d'admirer les petites boutiques comme ça là, les vrais. Enfin, regardez, c'est vraiment il a des détails ce bloc là. Il y a plein de petits détails à regarder, des petits trucs. Enfin, vraiment, faut vous commencer à regarder et c'est vraiment un truc de fou quoi. Et voilà, j'adore. J'adore, 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 c'est vraiment magnifique. J'espère que vous aussi, vous aurez aimé regarder ces blocs avec moi. Franchement, ben, c'est ce qu'elle vient de rentrer là, c'est des nouveautés. Alors, comme je vous dis, vous pouvez vous faire plaisir qu'avec les blocs de petits die cut, même si vous n'avez pas les papiers. Après, bon, après c'est bien d'avoir l'ensemble. Mais voilà, si vous prenez des petits bouquins comme ça de découpe, ça vous fait plein. Enfin là, vous avez de quoi faire pendant un moment, quoi, vous voyez. Et au moins, vous pouvez scraper avec juste des petites découpes comme ça peut être sympa aussi. Voilà. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos pour celles qui ne connaissent pas encore la boutique de Steph. Et puis même pour celles qui la connaissent, au moins vous cliquez juste sur le lien et vous êtes dessus. Si vous avez des questions à lui poser ou quoi que ce soit, elle est ouverte. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Elle est vraiment... voilà, Steph est très... comment dire? Elle est disponible. Voilà. Je ne trouvais pas le nom. J'aurais aimé pouvoir ranger ça dedans. Bon, je vais essayer de le ranger. Normalement, ça devrait rentrer. Oui. Voilà. Donc ça, je mets avec les autres trucs de Noël que j'ai en haut. Je vous dis, elle m'avait déjà envoyé des choses de Noël la dernière fois. Donc comment vous dire que là, j'ai de quoi faire. Et j'ai de quoi faire. Ça, c'est juste top. Bon, allez, sur ce, Steph, je te remercie énormément. Je vais t'envoyer un message, comme d'habitude. Et écoutez, la team, j'espère que ben, vous aurez vu des belles choses comme moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi, il me tarde de scraper tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.